Bonjour à tous. Ben voilà, comme vous avez peut-être pu le voir sur mon groupe Facebook, ben le facteur m'a apporté ben pas mal de petits colis ce matin. Et donc je me suis dit que ben, je pouvais partager tout cela avec vous, pourquoi pas. Donc c'est parti. Les colis viennent essentiellement de deux endroits différents, donc soit eBay ou soit AliExpress. Je pense que ce sont des sites que vous connaissez bien maintenant. Donc ben, c'est parti. Alors la petite boîte ici. Elle vient, je vérifie, de tatatam, AliExpress. Donc c'est parti pour l'ouverture du premier colis. Comme il y en a pas mal, je vais essayer de ne pas trop faire de blabla pour ne pas que la vidéo s'éternise, parce que je sais que vous n'aimez pas spécialement ça. Alors, dans ce petit paquet, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais chez AliExpress, moi, je trouve qu'ils font de plus en plus des efforts au niveau du conditionnement. Alors, j'ai reçu de la chaîne. Je vais peut-être déballer ça pour vous le montrer un petit peu mieux. J'en avais déjà reçu une bobine. Désolée pour le bruit. Et donc, j'ai pris de la chaîne un petit peu plus fine pour pouvoir monter mes colliers. Voilà. Donc ça, c'est pour la chaîne. Et alors, j'ai repris des petits embouts pour fermer les cordes un petit peu plus fines. Voyez, comme ça. Voilà. Et généralement, je commande toujours chez les mêmes fournisseurs. Et je vous avoue que pour l'instant, que ce soit sur eBay ou AliExpress, je suis vraiment satisfaite. Voilà. Alors, colis numéro 2, c'est parti. Celui-ci vient également de chez AliExpress. Ah, ici, ce sont des anneaux de jonction de couleur. Ah, il y en a quelques-uns là qui sont sortis. De couleur argent. Voilà. Je vais le déballer. Généralement, même si ce sont des petites boîtes qui se ferment, voilà, elles se sont un petit peu ouvertes. Bon, je ne vais pas l'ouvrir parce que je vois qu'il y a pas mal de petits anneaux qui sont sortis. Je réglerai le problème un petit peu plus tard. Les papiers, hop! On rangera ça plus tard. Alors, celui-ci, il vient également d'AliExpress. Donc, c'est parti pour l'ouverture. Je vais mettre les petits anneaux là de côté parce que sinon, je ne vais pas les retrouver plus tard. Voilà. Alors, on est parti pour des breloques couleur bronze. Parce que je me suis rendu compte que j'avais pas mal de breloques couleur argent, mais couleur bronze, j'en avais pas énormément. Et alors, il y a un petit peu de tout, hein. Donc, on a des choses comme ceci. Voilà, on a un couteau. Qu'est-ce qu'on a de sympa? On a une libellule. Ah, je pense que la libellule, elle a trépassé, effectivement. Il manque la tête de la libellule. Zut. On a un petit fauteuil vintage. On a un fer à repasser. Machine à coudre. Qu'est-ce qu'on a? On a une montre. Enfin, on a plein plein de choses. Oh, une lanterne magique. Je vais pouvoir faire trois vœux. Youpi. On a des cœurs, on a des clés. On a un coucou qui est super sympa. Il est vachement chouette le coucou. J'essaierai de retrouver pour voir si je vois la tête. Ah, ben voilà, la tête de la libellule. Donc, je verrai si je peux réparer tout ça. Une feuille, une encre de bateau. Enfin, il y a pas mal de choses, vachement sympa. Donc, je suis super contente de ce lot. Je vais le laisser ici sur le côté aussi. Alors, colis suivant, ici. Ah, celui-ci vient d'eBay. Donc, ce qui est cool, c'est que pour pouvoir faire ce type de vidéo, ben, on n'a besoin que d'une seule chose, une paire de ciseaux. Ah, voilà. J'avais commandé des petites trousses. Des petites trousses de toilette pour éventuellement faire des cadeaux sur ma chaîne. Comme vous savez, sur ma chaîne, enfin plutôt sur mon groupe sur Facebook, je fais souvent pas mal de petits concours. Oh, moi, je la trouve super sympa. Voilà. Ici, il y a deux petits supports pour lui permettre de rester bien droite. Et ensuite, vous refermez ça. Et on a les petites finitions là qui sont vraiment sympas. Enfin, moi, je les trouve vachement chouettes. Donc, voilà. C'est parti pour le suivant. J'essaye de faire au plus vite, hein. Maintenant, si vous voulez des informations concernant les choses que j'ai reçues pour éventuellement vous intéresser, je peux vous mettre les liens sans aucun problème.
Vous pouvez me laisser ça en commentaire de cette vidéo ou éventuellement me contacter sur mon Facebook sans aucun problème. Vous voyez, c'est exactement la même, mais celle-ci est en bleu clair. Voilà. Alors, colis suivant. Je pense qu'on devrait encore en avoir des pochettes parce que je pense que j'en avais commandé des couleurs orange également. Ah ben les voilà. Ah, les oranges, elles sont vachement sympas. Désolée pour le bruit des sachets. Donc, c'est parti. C'est exactement les mêmes. Hein. C'est juste la couleur qui diffère. Voilà. Et au niveau de l'intérieur, c'est un petit peu différent aussi. Donc, voilà la couleur orange. Enfin, je suis vraiment pas déçue. Je trouve vraiment sympa. Donc, celle-ci vient d'eBay. Donc, comme je vous l'ai dit, si vous le souhaitez... N'hésitez pas à me laisser un commentaire et je pourrai bien évidemment vous mettre toutes les informations pour pouvoir les commander si cela vous intéresse. Alors, on va passer au gros colis. Hop, hop, hop. Voilà. Alors, dans celui-ci, on va tout déballer. Alors, on a tout d'abord... une bobine de fil, je pense que c'est du coton et métallique en même temps. Non, voilà, c'est juste du coton parce que j'ai commencé récemment à travailler le fil métallique au niveau du crochet et je me suis dit pourquoi pas essayer les fils plutôt de coton qui ont un rendu un peu métallique comme ça, et donc voilà pourquoi j'ai acheté cette bobine. Et je pense que ça pourrait donner un super rendu. Donc, ce que j'ai décidé également, ben, c'est de vous faire quelques tutos par rapport à cela. Donc, ben, si vous le souhaitez, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et donc, comme cela, dès que les tutos arriveront, ben, bien évidemment, vous serez informés. Alors, j'ai commandé également des petits sachets qui pourront permettre... Voilà. Oh, ils sont vraiment chouettes. On a des papillons. Ils sont transparents, blancs. Avec des inscriptions argentées. Oh, ils sont vraiment sympas. Puisque logiquement, je devrais faire un marché de Noël. Et donc, ce serait sympa pour pouvoir présenter les bijoux que les personnes achèteront. Ah, ils sont vraiment chouettes. Je pense qu'il doit y en avoir, il doit y en avoir 100, si mes souvenirs sont bons. Alors, encore du fil... de coton aspect métallique, si mes souvenirs sont exacts. Et on a plusieurs couleurs. Donc là, ce sera toujours pour travailler... Oui, c'est exactement ça. Donc ce sera... regardez les diverses couleurs qui sont vraiment sympas. Donc ça, ce sera pour travailler le crochet. Et donc en fait, j'en ferai soit des bracelets ou éventuellement des pendentifs avec des perles. Donc je ferai plusieurs essais et je vous en ferai des tutoriels. Comme ça, si vous voulez éventuellement vous y essayer, ben, vous verrez, c'est vraiment très simple. Il faut juste utiliser les mailles traditionnelles au niveau du crochet et y insérer des perles. Mais vous verrez au niveau du tutoriel, ce sera vraiment très simple. Alors, pour les personnes qui me suivent et qui me connaissent, vous savez que j'adore le fil d'aluminium. Et j'avais trouvé ces couleurs vraiment, vraiment intéressantes. Donc voilà, la couleur orange. Désolée pour le bruit, encore une fois. Voilà, donc du fil d'alu. En 2 cm. Veuillez m'excuser, en 2 mm. Parce qu'avec le 2 mm, ben, on peut faire pas mal de choses. On peut les utiliser aussi bien pour faire bracelets, pendentifs, etc. ou bagues. C'est surtout les bagues au niveau du 2 mm. Parce qu'au niveau des tours de cou, ça je vous montrerai éventuellement dans une prochaine vidéo. J'ai reçu un colis, un autre colis, où là j'ai commandé directement du fil d'aluminium en prévision de faire des tours de cou. Donc là, le fil d'aluminium est en 4 mm, donc je vous ferai éventuellement une petite revue ou un haul également pour que vous puissiez voir la différence. Voilà, donc ça c'était le orange, pardon.
Voici le turquoise, qui est super sympa aussi. J'espère que la couleur aura un chouette rendu au niveau de la vidéo. Voici le mauve, mais moi j'ai plutôt envie de dire violet mauve, parce qu'il a vraiment des reflets. Il est vraiment magnifique. Alors on passe à la couleur vert pomme, qui a des reflets jaunes également. Waouh, les couleurs sont vraiment vraiment sympas. J'espère que vous pourrez voir le rendu exact au niveau de la vidéo, mais franchement, les couleurs sont vachement top. Alors, au niveau du fil d'alu, on termine avec une couleur carmin, où là aussi, il y a des petits reflets bordeaux. Je les trouve vraiment, vraiment sympas. Je pense que je vais mettre ce fournisseur, ou plutôt cette boutique en favori, parce que franchement les couleurs sont vraiment sympas. Et vous avez vu au niveau du packaging, c'est vraiment mais vraiment bien pensé et tout était bien emballé. Alors j'ai commandé également en vue du marché de Noël, ou éventuellement envoyer des petits cadeaux. Ce sont des petits sachets comme ceci. Ici vous avez des petits cœurs. Là, c'est plutôt dans les couleurs rouges, avec également des cœurs et des nœuds. Ici, c'est plutôt des fleurs. Ah, ceux-ci sont vachement sympas. Avec le logo Thank You. Et demander de repasser. Et voilà encore des cœurs. J'en ouvrirai un pour voir exactement ce qu'il en est au niveau de la qualité. Et donc, il y en a 100 par paquet. Donc, ça veut dire 500 sachets. Et si vous voulez une idée du prix, il n'y a pas de souci. Mettez-moi un petit mot en commentaire et je pourrai vous donner toutes les informations au niveau du prix de ces articles. Alors, il faut que j'en attrape un. Voilà. Donc voici ce que ça donne. Bon, là, j'en ai deux. Allez, ouvre-toi. Voilà. Donc moi je les trouve vachement sympas. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais voilà. Donc ce sera pour bien évidemment contenir des pièces, je vais dire pas trop imposantes, mais bon, de toute manière, c'est juste un petit packaging supplémentaire au niveau du marché de Noël, ou éventuellement lorsque vous faites un petit cadeau. Donc ça c'était pour les sachets. Et alors il reste une dernière petite chose. J'ai commandé également un lot d'étiquettes avec les petites cordelettes pour mettre au niveau des créations. Vous voyez, donc vous avez... Ah oui, ils sont vraiment bien. Donc pour mentionner le prix de vos créations et puis de les attacher. Donc je ne savais pas du tout à quoi m'attendre, mais voilà. Bon, je suis contente. Il ne restera plus qu'à noter tout ça. Voilà, c'est sur du carton. Donc je pense que j'utiliserai plutôt un indélébile. Ce sera vachement sympa. Ou peut-être du doré, de l'argenté. Je ne sais pas, je verrai bien. Voilà, voilà. Bon, en tout cas, en ce qui concerne ce haul, au niveau des deux boutiques internet sur eBay et sur AliExpress, en tout cas pour ce colis, c'est terminé. N'hésitez surtout pas encore une fois à me laisser dans vos commentaires si vous avez éventuellement aimé un de ces produits. J'hésiterai surtout pas à vous mettre les liens, donc que ce soit directement en réponse de vos commentaires, ou alors n'hésitez pas à me retrouver sur mon Facebook et je pourrai vous donner toutes les informations nécessaires. Voilà, donc en attendant la prochaine vidéo, je vous remercie d'être passé sur ma chaîne. Alors, si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Et si vous souhaitez être informé des prochaines vidéos et des prochains tutos, il vous suffit de vous abonner à ma chaîne. Ce serait vraiment sympa. Et donc, je vous dis à très bientôt. Ciao !